Voilà, guys. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog qui va être trop cool. Parce que du coup, j'ai décidé de vous emmener un peu avec moi au travers de Sonaya Swim, du coup, qui est ma marque de maillot. On me demande vraiment énormément un petit peu de vous partager genre les backstage, comment ça se passe sur les shootings, sur les lancements, l'organisation, tous les backstage d'avoir une marque. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. En même temps, évidemment, on se retrouve pour un vlog à Bali, parce que du coup, on shoot à Bali. Je remercie Shopify de sponsoriser cette vidéo. Est-ce que c'est pas incroyable? Moi je trouve que c'est incroyable. Et oui, en collab avec Shopify. Si vous connaissez pas, vous inquiétez pas, vous allez bientôt connaître. Ça fait énormément sens pour cette vidéo, donc je suis trop contente. Et bref, là je vais chez le coiffeur parce que là il y en a marre. Je sais pas, mes cheveux ressemblent plus à rien, genre j'ai un casque sur la tête. Stop. Donc voilà, petit rendez-vous chez le coiffeur. Et après je vais vous emmener avec nous pendant le shoot de la prochaine collection Sonaya. Je vais vous montrer les modèles, etc. En fait là je reviens du shoot, donc le shoot est déjà arrivé, mais je vais vous le partager après. Vous allez voir, tout va faire sens. J'ai l'impression par contre je m'habille toujours pareil ici, désolée. Vraiment zéro originalité là, go. Voilà, let's go, je suis en avance pour une fois. Est-ce que vous y croyez? Parce que moi j'y crois pas. Franchement, il est 11h34, j'ai rendez-vous à midi et je suis genre à 15 minutes en scoot du salon de coiffure. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je me sens plutôt fraîche quoi. J'ai rien fait de fou, hein. C'est un peu comme d'hab, mais voilà quoi. Ah, c'est mieux là. Bon les gars, je rentre de chez le coiffeur. Du coup là je me remets au travail. Je voulais vraiment prendre le temps de me poser avec vous parce que je reçois énormément de questions sur la marque, sur comment ça se passe en interne, etc. Et je voulais vous présenter aussi la prochaine collection. Et après ça, je vous mettrai évidemment les quelques jours qu'on a passé à Uluwatu pour le shooting qui était très très cool. Déjà si vous me suivez depuis... Sachez qu'on a créé la marque en 2022, donc c'était fin d'été 2022 que la première collection est sortie. Les maillots sont éco-responsables de qualité supérieure. Ils sont faits à Bali. Alors sachez que on a commencé à produire à Bali. Ensuite, on a décidé de faire un test au Portugal l'année dernière et ça l'a pas du tout fait pour plein de raisons. Une des principales raisons en fait, c'était simplement la qualité des maillots. Donc je vous avouerai que on a décidé simplement de revenir à Bali parce que en comparant les du coup deux premières années de la marque, on a trouvé que la première collection était plus qualitative, les finitions étaient mieux faites et il y avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus simple, beaucoup plus smooth, même si c'est pas de tout repos. Je vais vous passer les détails, mais bon, ça c'est un peu le jeu quand on a une marque et surtout quand on est dans le textile, c'est des galères H24. Mais en tout cas, on est très très content du résultat là des collections de cet été. Franchement, vous êtes pas prêtes, ça va être incroyable. Et donc, on launch la première collection de l'été mercredi 24 mai, donc dans genre 2-3 jours après que sort cette vidéo. Donc, mettez vos rappels mercredi 24 mai à 18h, la collection Tropical Breeze, parce que oui c'est le nom de la co, sera live. Je vous conseille d'être là vraiment mercredi à 18h. On a fait en sorte qu'il y ait quand même plus de pièces que l'été dernier, mais j'annonce qu'on reste une petite marque, on fait avec nos moyens. C'est pour ça que pour le moment on fait des collections qui sont limitées, les stocks sont limités, donc quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et vu que nos collections sont différentes les unes des autres, un modèle ne reviendra pas en stock dans la même couleur. Voilà, soyez là. Du coup j'ai les maillots juste ici dans ces couleurs qui sont juste incroyables. Là l'idée de la co c'était vraiment de faire une collection inspirée de la nature, de Bali. C'est aussi pour ça qu'on est à Bali, enfin c'est la raison principale d'ailleurs pour shooter la collection et aussi aller visiter l'usine du coup qui produit Sonaya et un petit peu suivre le lancement, tout ça. Là je suis sur le site et on est en train de voir vraiment la stratégie de lancement, et donc j'en profite pour vous parler de Shopify qui sponsorise très gentiment cette vidéo. Et je suis trop contente parce que je trouve que ça fait vraiment sens avec la marque, avec là le lancement des prochaines collections cet été, sachant que on utilise Shopify vraiment depuis le lancement de la marque. C'est une plateforme que j'utilisais bien avant et je pense que d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'ils m'ont contacté. Donc en gros, si jamais vous ne connaissez pas Shopify, c'est la plateforme qui soutient Sonaya Swim et du coup qui héberge notre e-commerce. Et en fait ce que je trouve hyper cool avec Shopify, c'est que ça peut vraiment convenir autant à des gros entrepreneurs, des grosses marques, à des marques un peu plus moyennes comme Sonaya, mais aussi à des petits créateurs qui veulent se lancer, qui ont peut-être
un produit, deux produits. C'est vraiment hyper accessible et facile à mettre en place. Vous pouvez vraiment faire des sites qui sont déjà très beaux visuellement et hyper faciles d'utilisation, hyper pratique, hyper smooth. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de hyper compliqué avec les codages, etc. de sites là. Je trouve ça très très cool et si jamais vous voulez vous lancer sur un projet, sur une marque et vendre quelque chose en ligne, c'est vraiment une plateforme que je vous recommande. Ils soutiennent énormément d'entreprises dans le monde. Franchement, la plupart des personnes que je connais qui ont des marques, ils utilisent Shopify. C'est plutôt cool, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se présente. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai l'application sur mon téléphone, donc en fait, je peux suivre quand on a des lancements, quand on remet à jour le site, etc. Vous avez aussi le live view, quand on lance une collection et du coup, on voit en live ce qui se passe. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Donc vous voyez, par exemple, ici, du coup, j'ai le nombre de visites sur les derniers 30 jours. Vous avez le total des ventes, etc. Bon, sachant que on n'a pas du tout de collection qui est actuellement disponible sur le site, ce qui explique les ventes. En tout cas, on garde toujours le site actif tout au long de l'année. C'est pour ça qu'il y a pas mal de visites là récemment. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et sûrement il y a des petites curieuses. On peut tout suivre en vrai, les produits, les collections, le stock, le machin. Les trucs un peu plus techniques, mais du coup qui rendent très facile d'utilisation. Désolée, j'ai les lèvres extrêmement sèches. En tout cas, si vous voulez enfin lancer votre idée, lancer une petite marque, un produit, etc., n'hésitez pas à aller checker. Je vous mets le lien de Shopify dans la description. Du coup là, on est en plein lancement du teasing. En gros, la première vidéo teasing de la prochaine collection sort ce soir. Donc Keoni est en plein sur le montage. On a choisi la DA et tout. J'ai tellement hâte. Et je vais vous montrer la collection. Et en fait, j'ai envie de comparer un petit peu avec le modèle qu'on a fait l'année dernière. Et du coup, comme je vous disais, ils n'ont pas été faits au même endroit. On l'a vraiment amélioré cette année. On a pris le temps de voir voilà, ce qui n'allait pas prendre en compte, évidemment, vos retours. Parce que bah, les retours client, c'est le plus important pour l'évolution d'une marque. Attention. En gros, on a refait le best-seller de l'année dernière. Donc c'est le Calma qui vous a beaucoup plu et qui est clairement mon modèle préféré. Je le trouve trop beau. Il est autant petit maillot pas trop courant, autant je le trouve très classe et je trouve qu'il va vraiment à tout le monde. On a fait trois couleurs différentes. Je vais vous montrer par rapport au vert de l'année dernière. Donc là, on était plus sur un vert d'eau, un vert un peu matcha, on va dire. Et ici, on est sur un vert forêt. Et je pense que c'est ma couleur préférée, j'hésite parce que je les aime toutes en vrai. L'année dernière, je sais qu'on a eu pas mal de problèmes en ce qui concerne l'élasticité des maillots. Parce qu'en gros, quand vous alliez dans l'eau avec, ils avaient tendance à se détendre un petit peu. Tout simplement parce que ça manquait en fait d'élastique et les finitions étaient pas folles. Enfin voilà, j'avais trouvé quand même pas mal de choses qui ne me plaisaient pas. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime vraiment quand c'est parfait, genre exactement ce que je veux que ce soit. Donc vous voyez, ça faisait des petits détails là, pas très bien finis. Bref. Donc cette année, ça ne fait plus du tout genre l'histoire de s'étendre au contact de l'eau. Parce que c'est un peu con parce que c'est des maillots, tu vois. Donc on n'a plus du tout le problème. Ils sont beaucoup plus élastiques, beaucoup plus agréables à porter, beaucoup mieux finis en fait, tout simplement. Donc je suis trop contente. On a aussi réduit d'une taille parce qu'ils étaient grands sur certaines tailles. Genre le S était plutôt un M, etc. Et du coup, bah on a simplement amélioré le sizing aussi. Moi, pour référence, je porte du S en bas. Donc ça, c'est le haut Calma aussi. Hop. Là. Donc c'est un triangle assez genre épais que vous pouvez froncer, que vous pouvez mettre de 600 façons différentes. Genre vraiment, je vous mettrai à l'écran un réel que j'avais filmé l'année dernière, mais je l'aime trop pour ça. Et on a fait aussi le haut Twani, pareil, qui est l'un de mes hauts préférés, qui est trop classe. Je sais pas, je trouve qu'il fait tout, genre porté, il est incroyable. Et du coup, c'est avec une coque, donc je sais qu'il soutient vraiment beaucoup pour les fortes poitrines ou même pour les poitrines normales. Mais si jamais vous recherchez du soutien dans un maillot, c'est vraiment un modèle que je vous conseille. Et pareil, on a fait beaucoup de modifications et franchement, le modèle est tellement parfait. Je vous jure que je ne vois aucune imperfection sur ces trois modèles, ce qui est assez rare pour ma personne. Donc je suis trop contente. Et du coup, je porte du S sur le Calma et pour le haut Twani, donc celui-ci, je porte du M parce qu'il est beaucoup moins genre modulable quoi. Voilà, donc c'est les trois modèles qui sortent. Donc on a le bas Calma, le haut Calma et le haut Twani en fait, qui va super bien aussi avec le bas Calma. C'est pour ça on a voulu faire un peu un mix and match. Et donc on a ce vert, on a un bleu un petit peu, un bleu canard mais un peu plus foncé. Genre un bleu canard, mer, éteint, on sait pas trop. Mais la couleur est trop belle. De toute façon,
photos, vous verrez portée sur le shoot juste après. Et on a cette couleur que j'adore et qui pour moi est vraiment un genre un incontournable. C'est un taupe, donc c'est un marron taupe. J'ai besoin même de dire à quel point il est incroyable, vous le voyez de vous-même. Mais voilà, je l'aime trop. Dernière chose que je voulais vous montrer et ce qu'on a amélioré par rapport à la collection de l'an dernier, c'est la forme. En gros, on avait quelque chose qui était un peu trop droit en fait, qui était quand même très très string pour un modèle qui est assez épais. Le modèle est toujours très cheeky, simplement parce que c'est la DA de la marque, mais on a vraiment retravaillé la forme. Je sais pas si vous allez voir la diff. En gros, les nouveaux modèles sont plus en V comme ça, ce qui met beaucoup plus en valeur les fesses. On a réduit le tissu en fait global de la longueur de la culotte. On s'est rendu compte que en le portant et surtout quand il était mouillé, en fait le maillot avait tendance à faire des... genre il y avait trop de matière. Donc voilà, on a retravaillé tous les patterns et les formes et tout, et ça rend beaucoup beaucoup mieux. Écoutez, c'est à peu près tout. J'ai trop hâte du lancement, j'espère que vous serez au rendez-vous. Là je vais me mettre sur les retours de la vidéo qui sort ce soir pour que tout soit prêt. Et surtout, je vous laisse avec la deuxième partie de cette vidéo du coup, qui est le shoot qu'on a fait donc à Uluwatu. On essaye de vous montrer un maximum les backstage, c'était genre trop bonne ambiance et tout, c'était trop cool. Enjoy. Il est 4h du matin. Waouh, c'est dur hein. Faut s'ambiancer. Facile, c'est fastoche. Fastoche. Si vous vous demandiez ce qu'on va faire, vous allez voir dans ce vlog. En vrai, le réveil est dur, mais ça va être trop cool. Coucou. On est prêtes. Bon les gars, situation, on vient juste d'arriver à Uluwatu parce que du coup, on shoot à Uluwatu, c'est pour ça qu'on s'est réveillé à 4h. C'est passion. Ils sont passés. Bref, le taxi nous a laissé en haut de la plage. Et si vous connaissez Bali, vous savez que la plage elle est pas à 10 mètres. Et j'ai toujours mal au tibia. Et bref, du coup on attend qu'un ami sympathique vienne nous chercher. Et je finis mon make-up parce que j'ai pas eu le temps ce matin. En fait, je dois faire mon trail liner, je vois rien. Léonie, tu parles flash, ouais. S'il te plaît. Ok, parce qu'en fait on est en haut de la plage. Et il est en train de conduire. On voulait savoir si on peut s'arranger pour faire les allers-retours avec le scooter. Vas-y, bon, on t'attend à l'entrée. Ok, un œil de fée. Ça, c'est rapide, hein. Il pleut ? Ouais. Il pleut. Non, non, il pleut pas. Hello ! No, it's... No. Non, non. C'est une vision optique. Coucou. Alors, ça va et toi ? Ça va. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. C'est pour qu'il pleure. Comment c'est possible ? Mais non, mais je crois que c'est un mais c'est pas... Il pleut jamais à Oulu. C'est bon. Merci. C'est une vision optique. Oui, je pense que mon karma il m'aime pas genre. C'est trop bien de se lever à 4h pour voir de la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Oui. Les gars, c'est trop 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 beau. Regardez. Les couleurs sont incroyables. La mer est calme. Il fallait une petite pluie pour bien commencer la journée, tu vois. C'est... Ah, j'ai failli me casser la deuxième jambe quoi hein. C'est incroyable, faut vite commencer là hein. Bon, bah ouais. Hop hop hop. Mais pardon, on se croirait à Hawaï. On est à Bali, remarque, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi. Alaya, toi tu mixes and match en mode toutes différentes ou tu veux toutes qu'elles soient en calma d'abord? On peut commencer par chaque modèle. Je pense que là avec la light et tout, Toani c'est beau. Ah Toani là? Ouais. On commence par le balcon. Lequel couleur? Moi je vais mettre lui. Ouais. Donc moi je fais et le vert. Blue. Ouais vas-y, carrément, je me déshabille. Très décontracté, naturel. Tourne-toi de dos, tu marches vers là-bas. J'aimerais que tu mettes tes mains peut-être vers le haut, que tu fasses quelque chose de plus. Ah, c'est hyper recherché ça. T'as vu ça? Tiens, j'arrive pas à tenir la caméra, ça. Ouais, les grosses fesses. Hi. Great. Waouh, waouh, waouh. Tu fais ça et après tu sautes. Ouais. Après tu le bras en l'air. Grand écart. Tu fais comme ça. Incroyable.
Comment ça va? Je crois que ça va. Ouais. Je commence à avoir un peu faim. How are you doing? C'est la fin, mais je suis là. So good. Bonjour. Ça va et vous? Écoute, toi aussi, ouais. On aime bien. Today we are shooting for Sunaya. This Sunaya? Is so cute. Yeah. Sunaya. Yeah. What does it mean? Tell me about it. Oh, it's okay. So it's the sun, basically. Uh-huh. And as my name is Alaya, it's like Sunaya. So it's. Ah! Alaya, that's such a nice name. Thank you. What's your ascendant? Sagittarius. Ah, oh, me too. You as well? Moi, je pensais que j'étais yeah, I'm a Virgo. C'est chinois, ça n'a rien à voir. My Luna is Virgo. Oh, same. Ah, c'est super cool. Yeah. I've come to hype for my new. Je suis bronzée, non? Je sais quand tu mens. Les maillots mouillants, les mélange pas, non? Les maillots mouillants. Les maillots mouillants. Mouillants, mouillants, en bas. De toute façon, il faut sécher à la villa. Hein. Elle a la villa a des ailes. Elle m'a choquée, mais pardon, en plus, c'est à la salle. Elle a des fesses grâce à. Oui, non, mais clairement. Boutis d'enfer. Après, elle avait une base, tu vois, mais elle a mis les photos, j'étais choquée. Ouais, je sais. Manon, donne-nous ton secret. Oui, j'ai une question. Pour moi, genre, quand tu soulèves beaucoup, ça rime avec le fait de prendre beaucoup aussi. Ouais. Comment Manon. Comment fais-tu pour avoir des fesses aussi grosses, grosses, volumineuses, sans aller à la boutique d'enfer? Oui, mais quoi, c'est quoi? C'est une méthode révolutionnaire en fait. Okay. C'est un grand temps que t'es déformé. La mycose. Ouais, bah comme d'hab, en fait, j'ai l'habitude. Allez, je me casse. Mais là, on doit toujours. Non, c'est les chaussures. Combien de kilomètres de toi? Tu viens à côté de moi en fait. C'est vraiment grand angle. Mais ouais. On est vraiment genre grand. Tu crois quoi? On mange quoi? Déjà on boit du café. Je bois même pas de café. Tu penses? Un petit avocado toast avec des œufs pochés. Mais c'est pas assez là. Un gros avocado toast avec, trois œufs pochés et un dessert. Oui, oui. Ok, vendu. Mais attends, mais je rêve où il fait du snorkeling. Je sais pas, ils font quoi frère? Faire ce shooting, mais ça va jamais. Chico. On est fatigué, on a faim. Ah oui, vous allez sur Django ou après? Ah bah non. Mais non, mais dans votre trip. Ah oui. Ah mais moi j'habite à Django. Hein. Enfin, d'ailleurs, j'habite à côté de chez toi apparemment, en face de chez. Ouais. Bah c'est là. C'est trop bien. On est arrivé dans la villa dans laquelle on reste là pendant deux nuits. Dans la villa des anges. Vraiment, elle est incroyable. Parce qu'on shoot à Uluwatu, qui est genre à plus d'une heure de route de chez moi. 3 heures quand il y a du trafic. C'était beaucoup plus safe pour tout le monde et pour l'organisation de toute la team. Je vais vous faire une petite visite. Update, je suis éclatée de fatigue. Vraiment. Je vous ai même pas filmé genre notre petit repas parce que on avait juste faim et je suis à deux doigts de tomber en sieste du futur. Voilà. Bref, petite visite guidée. On est en train de préparer les maillots pour le deuxième shoot du coup au sunset ce soir. Donc la petite entrée, la petite douche et regardez la petite piscine. La petite piscine. La petite Léna. Regardez comment c'est beau, très épuré et tout. Une grande table, un grand salon, incroyable. Et je vous montre notre chambre. Cute. La salle de bain, pareil, elle est trop belle, j'aime trop. Waouh. C'est vraiment trop stylé. Je pense que je vais tenter de faire une sieste. Je fais vraiment jamais ça, mais là, les 4 heures de sommeil, elles ont du mal à passer. Sachant que on re-shoot d'ici 2 heures, je pense. Voilà. Finalement. Est-ce que c'est pas ça la vie? Coming in. Coming out. Coming.
Là, c'est censé être un arc-en-ciel, mais je sais pas si on le voit, alors je le dis dans la caméra. Alors, ce shoot, c'est le shoot, c'était trop bien. Stéphane, Keoni, c'est un photographe moyen, mais ça va. Les mannequins, ça va aussi. Moi, après, j'étais superbe. Incroyable. Et maintenant, j'ai faim. Hello tout le monde, Keoni. C'est moi qui me suis occupé des photos et vidéos pour la nouvelle collection de Sanaya. Le shooting au top. J'en ai jusqu'ici de Léna. Moi, après, j'étais superbe. Les photos, une dinguerie. Les vidéos, très très cool. La nouvelle co va être énervée. Et félicitations à toutes les filles. C'était intense. Un jour et demi de shooting. On a faim. On a grave faim, on a grave soif. Ça fait du bien que ça soit fini. J'ai hâte de vous montrer ça. Vous êtes yes. Merci. En vrai, c'était un très bon shoot. Je trouve qu'il y avait une très bonne humeur, une cohésion au niveau du groupe, une alliance, tu vois. On était en collaboration, c'était vraiment nice. Et non, en vrai, je pense que l'équipe était bonne, elle était complète, donc ça facilitait les choses. Et non, en fait, on a tout fait dans les temps. Je pense que c'est ma marque, que c'était très friendly comme shoot. Ouais, c'était très nice, pas de pression et tout, tu vois. Justement, je pense que c'est très important de pure state sur le set, tu vois, qu'on soit tous dans une bonne ambiance. Parce que si on met trop de pression, c'est stressé, ça se voit sur les photos, t'es vraiment genre tout tendu et tout. Et là, je pense qu'il y aura des belles photos qui vont sortir, vous allez adorer les maillots. Ils sont très confortables pour être honnête. Mon préféré c'est celui-ci. Je l'adore. Surtout très petit au niveau du top. Les fesses apparaissent. Très sexy. Et le vert c'est le the hottest for me. J'adore le bleu sur les blonds. Les verts sur les peaux mates c'est trop beau. Et le marron sur les peaux plus claires. Sur moi finalement. Ouais ouais ouais. En vrai ouais de ouf. Voilà c'est tout pour moi. Bon on va manger. Oui. Oh my god. Oh. Let's go. Je me montre quand même dans ce vlog. Elles sont pas à l'intérieur en fait. C'est trop cool en vrai. Attendez, je vous fais un petit point. C'est la fin du shoot. C'était vraiment trop trop cool. Vous êtes vraiment pas prêts du résultat. Les photos sont incroyables. La vidéo, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, les vidéos. Trop contente, on avait une équipe de fou. Une team au top quoi. À l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement c'est genre plus ou moins quand ça sort. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les infos. C'est que la première co hein, de cet été de folie qu'on va passer ensemble. Franchement, c'est l'une de mes préférées. Genre, c'est si élégant. Voilà, ça va à tout le monde. On a tellement upgrade la qualité des maillots les gars par rapport à l'année dernière, je vous jure. Et voilà, je suis trop fière, trop contente de ce qu'on a fait pendant toute cette année, parce que oui ce fut long, mais ça vaut le coup quoi. Bref, on va manger.